Il manquait seulement un déplacement pour signer la victoire. Donc ils ont dû partir dans la précipitation. Il y avait bien eu une présence récente dans le dortoir. La nourriture en témoignait. Et on était parti sans amener sa valise. C'est qu'on comptait revenir sans doute. Bon, on a pu se réchauffer, c'est déjà ça. Je vais prendre une bûche pour aller ouvrir, allumer le feu dans la chaumière plus loin. Ok. Donc en fait, ce sont les trucs avec les symboles d'hôtel, en fait, ce sont juste des cabanes de bûcherons. On avait joué de l'arbalète, qui est un jouet dangereux. Ça peut crever les yeux, ça peut crever les pneus. Ça peut vous tuer un homme, si c'est bien décoché. Une vraie grotte, cette cabane-là, pensa Karl. Il faisait beaucoup trop noir. Fallait faire attention pour pas se cogner sur les meubles. Ok. La valise avec du linge propre. Oh cool. D'ailleurs, c'est parce que je voulais voir mon état de santé, voir s'il s'était pas dégradé, mais non, c'est bon. Oh là 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 là. Bon, et ben c'est prenant hein, comme jeu. C'est vraiment prenant. C'est vraiment prenant. Je parle pas beaucoup, hein, mais je dois vous avouer, je suis vraiment dans l'ambiance.
Bon, ok. Donc ici, juste deux cabanes avec des gens qui sont partis apparemment dans la précipitation. Bref, rien de très rassurant. Wow! Bon, ça va, la maniabilité de la voiture, ça va, hein. Enfin, si on tient compte du fait qu'on est sur de la glace, en effet, c'est vrai que l'inertie de la voiture au niveau du freinage, tout ça, c'est pas évident. C'est fait exprès, hein. Et vous savez très bien qui est-ce qui me vient à l'esprit quand je parle des véhicules. Si vous suivez ma chaîne depuis un petit bout de temps. Sur le fait qu'il y a un gros éditeur pour qui les véhicules, c'est pas leur fort. Excusez-moi, je buvais un coup en même temps. Hop, allez. Maison des blés. Ah! La maison du fameux petit Martin. On va peut-être avoir des astuces, des filons. Enfin, j'en sais rien. La maison semblait figée dans l'hiver. On dirait bien, à tendre l'oreille, qu'il n'y avait personne. Alors, je sais que ma température corporelle est correcte, donc je vais... Il me faut une bouteille vide pour y mettre l'agnole. Atteindre l'objet. Ah. Une queue. Pour ouvrir quoi? Le cabanon? Carl n'avait pas le bras assez long pour l'atteindre. Il était assez inventif pour trouver un moyen de la sortir de là. La chaîne ne fonctionne pas. Alors ça s'appelle une tronçonneuse. Il n'y a pas moyen de la réparer. Ok, ça c'est pas normal. Et la lumière? Il y a de la lumière et il y a le feu. Enfin, le feu est allumé. Quand on trouve une botte, on se demande toujours ce qui est advenu du pied. Quand on trouvait ça inquiétant. Non, le feu est éteint. Mais il est éteint depuis peu apparemment parce qu'il y avait encore des braises. Quelqu'un a manqué de temps pour faire ses valises. Ok. La clé ressemblait à une clé de cadenas. Il y avait une inscription dessus. Ça disait Cloutier et fils. Comme compagnie. Il s'agissait de garder l'œil ouvert. Les entreprises n'étaient pas légion dans le coin. De l'argent dans la jarre. Dommage. Carl aurait préféré des biscuits. Mmh.
Bon. C'était le reçu pour un travail de misère. Alexandre Blais se fendait en quatre et fendait du bois pour le compte de Cloutier et fils. Salaire net, 146 dollars. Alors c'est du dollar canadien, mais... Attendez, attendez. 90 heures pour... Oh vache, 90 heures pour 146 dollars. Alors je sais pas combien ça à quoi ça correspond, 146 dollars canadiens en euros, mais... Et à l'époque, parce que on est des 70, ça. Mais ça sonne pas très élevé, hein. Ça ressemble à l'autre maison, Joe Dassin. Mon Dieu. Bon. Seuls les esprits tourmentés fument au lit. Tous les autres aussi. Ok. Ah ok, c'est éclairé en fait ici. Bah, dis donc, c'est sombre. Hein. Journal de Louise. Alexandre me fait craindre le pire. Il ne dort presque plus. Je croyais que c'était le travail. Mais ça semble bien plus terrible. Il regarde dans le vide à toute heure du jour. Il peine à peine s'il m'adresse la parole. Lorsque son fils lui a demandé de jouer au ballon, il n'a même pas répondu. Et toutes ces fois où il jette un regard à la fenêtre, je l'ai entendu murmurer dans son sommeil la nuit dernière. Il a dit « Il arrive ». J'ignore pourquoi, mais ces mots m'ont fait une forte impression. Il s'est éveillé un peu plus tard en sueur, évidemment, il avait oublié son rêve, il n'a plus dormi de la nuit, il a fumé des cigarettes à la fenêtre. Ce matin, il m'a dit de faire ma valise, pourquoi je crois qu'il ne sait pas lui-même. Nous attendons, qu'est-ce que nous attendons? J'ai peur, je crois bien que j'ai peur. Tétanisé la pauvre Louise. Bon. C'est vrai que cette créature-là est quand même assez inquiétante. C'est moi qui ai fait ça ou... Je suis pas tout seul. Je dois pas être tout seul. Les couvertures indiquaient un réveil précipité. Carl y vit le désordre de la fuite. Mais que s'était-il passé? Le monstre. Ok. Là, on a quelque chose de, déjà d'un peu plus... Donc, il y a bien une créature... qui gèle. Une fenêtre ouverte par un froid pareil. Mais qu'est-ce qu'il fallait gâter comme ça? Le loup m'a fait flipper. Je savais que j'étais pas tout seul. J'aurais dû descendre armé. Mais bon. Il a fui dès qu'il m'a vu donc. Un peu de lecture pour passer le temps. Ok. Ouais. Aux toilettes. Si tu veux.
termine d'examiner ce... Par contre, il n'y a pas moyen de la fermer, cette porte. Mais genre définitivement, quoi. Merde. Bon. Il a juste pris le steak, il s'est barré le... Le loup est juste... Une photo prise dans la maison. La même tapisserie sur les murs. À voir les sourires, personne ne se doutait que bientôt le calme allait se briser. Le petit Martin Blais avec un membre de sa famille. Ils avaient des airs de ressemblance. Karl nota la complicité et la fierté qui les habitait tous les deux. Il y a un truc là. Ce meuble a été déplacé à plusieurs reprises. Petite Marie, tu excuseras mon écriture, j'écris dans la presse. On se sauve vers Mastan Nord avec maman et madame Roy. Elles disent que vraiment ça devient trop dangereux, je n'y comprends rien parce que maman veut me rassurer alors qu'elle a le même visage que lorsque je la fais sursauter. Papa et monsieur Roy sont des vrais héros. Ouais, monsieur Roy sont des vrais héros. Ils sont allés chercher monsieur la chance. C'est pour ça que je pars sans eux. J'espère que tu nous rejoindras. Il y a beaucoup de place dans la maison de grande maman. À Mastan Nord, tu seras la bienvenue. Je me sauve. C'est le cas de le dire. Ton ami Martin. Bon, je crois qu'on va aller vers Mastan Nord. On va peut-être rencontrer des âmes un peu plus amicales que le vieillard que l'on a rencontré peu avant dans cette session de tournage. Et s'il y a plus d'activité humaine, il y aura peut-être encore moins de loups. Parce que là, faut avouer que le loup, il m'a bien fait flipper quand même. On part vers Mastan Nord. Hein. J'ai rien indiqué par là. J'ai juste une grosse baraque. Enfin, une baraque qui est à l'autre bout. Mais clairement, apparemment, le jeu essaie de nous faire comprendre que faut que je reste au sud, que c'est là que ça se passe. Hein. Mais bon. Il y a une maison que j'ai pas vue. Il y a une maison que j'ai pas vue entre les deux camps. Entre les deux camps de bûcherons, il y a une maison que j'ai pas vue. On va aller la visiter. C'est là. Ouais, juste là. Oula, il y a encore un truc bleu. Il y a un truc bleu juste là-bas. C'était le trésor d'Ali Baba, version bûcheron. Karl trouverait bien là quelque chose avec de quoi s'amuser.
Ce serait trop encombrant à traîner. Dommage, ça serait bien pratique, une tronçonneuse. Parce que t'avoues... Avoue, t'éloignes les loups, t'éloignes... Oula, ok. Alors, pour Paul et Jean-Pierre, n'oubliez pas de remettre la clé de la cabane si vous, vous avez à l'utiliser. Merci. Votre supérieur, PS, le prochain bus pour Kambugamo. Alors, Shibugamo, voilà. Bon, sera le 12 octobre. Après, ce sera dans 2 semaines. Ok. Je sais pas à quoi ça sert les matériaux, mais ouais, j'ai encore une lampe. J'allume feu. J'aime bien ce style de récupération d'inventaire un peu à la Skyrim. Alors, cette fameuse cabane dont il parle, c'est laquelle? C'est vrai qu'il n'y a pas de feu là-dedans. Peut-être que... où en est ma température corporelle? Ça va. On va partir vers le sud. Enfin, on va partir vers le nord plutôt. Oh, je monte du mauvais côté. Honnêtement, pour le moment, ce jeu... C'est une bonne surprise. On sait pas trop où aller, mais... Honnêtement, c'est pas mal. Alors... on va aller voir le... Ouais, on va aller voir toute la route à droite là-bas. Qu'est-ce que... Ok. C'est chiant de conduire avec la carte à côté, mais... Ça permet à peu près de voir. C'était fraîche. Ça faisait peu de temps que la voiture s'était enlisée. Où diable pouvait être passé les propriétaires? Les traits d'arbalète avaient la même origine. Il n'y avait pas de doute pour Carl. Qui était-ce? Et surtout, que chassait-on ainsi? Oula, le son était violent. Solitaire, ok. Oh mon dieu, c'est la maison des... C'est la voiture des... De Martin et des autres là, ok. Bon, il n'y a rien ici. Est-ce que je peux prendre la route par là?
D'accord. Et ça s'est passé vraiment très près. Ça s'est passé en fait au moment où le courant a coupé quand on était dans le... Non, je suis obligé d'y aller à pied. Soit. Nous irons à pied. Propriété d'un certain Wilfried Roy, ok. C'était la voiture dans laquelle il y avait les Roy et les... Il y a des vêtements. On aurait échappé ça dans la fuite. C'est vers là qu'on courait, dans les bois. Carl se sentait comme un chasseur sur les traces d'une proie. Mur de glace. Merde. Il ressentit le froid habituel. Carl le savait, il sombrait dans une vision. Carl connaissait bien ces images flottantes. Se demandait cependant ce qu'elle pouvait bien lui vouloir. L'esprit s'en alla vers la forêt, comme libéré. Carl, c'est vrai, connaissait son histoire maintenant. Un autre esprit déguerpissait vers les étendues sauvages. Carl connaissait son histoire à celui-là aussi. Les esprits semblaient soulagés dès lors que Carl avait constaté leur drame. En voilà un autre qui se libérait. Homme, femme, les cheveux longs en tout cas. Carl s'éveillait doucement à mesure qu'il s'éloignait du bloc de glace. Carl sentit le froid battre en retraite, comme s'il s'éloignait d'un centre de gravité. Allait-il quitter ce monde pour revenir au réel? Ok. Donc là... Ok. L'engourdissement quittait Carl. La vision chavirait. Encore quelques pas et elle lui échapperait complètement. Trois âmes libérées. Et j'ai trouvé trois victimes de glace. Vous faites le rapprochement ou pas? Il y a une victime des glaces que je n'ai pas encore rencontrée. J'avouerai que là pour le moment. Eh, attendez une minute. Non. J'allais dire une connerie. Mais non, c'est pas ça. Je ne peux pas aller plus loin? La route du vide. Carl détestait les cul-de-sac. Il se sentait coincé.
On aurait dit que la route avait été avalée par le lac. Il fallait trouver des secours par un autre chemin. Ok. Et je commence à me refroidir. Ok. Donc, j'ai encore une victime des glaces à trouver. Avec ce froid, Carl sentait déjà plus ses orteils. Bon. Je repars de l'autre côté. Je sais où je vais. Je ferai une halte juste à la station service pour me réchauffer. Et après, je vais arrêter ma session de tournage ici. Je pense, parce que... Bon, de toute façon, ma... Ah oui, non. Alors... Juste me réchauffer ici. Il y a une zone que je vais retourner... Mort des glaces. Bon. Hamilton est le seul qui soit pas mort des glaces. Où je vais aller, c'est pas compliqué. J'ai essayé. Alors, je sais pas où je passe. Je vais retourner à la maison du mécano un peu fou. Et l'objectif, ce serait d'aller. Je réfléchis, mais ce serait d'aller à la. Comment ? J'ai un doute pour un truc. Là, la maison du docteur Beaupré. Il y a la croix et il y a une maison. Alors, je me suis dit sur le coup, la maison et la croix, enfin la croix donc le symbole d'hôpital quoi, de clinique. C'est le même bâtiment, comme ça l'est pour le bâtiment général. Mais à l'occasion, j'ai pas vu, il y a une maison à côté. Et l'objectif ce serait d'aller voir l'étoile. Mais j'ai envie aussi de retourner à tout en bas, Mastrain Sud, et aller revoir la cabane dans laquelle on s'était abrité au départ. À l'occasion, ça a changé. Alors, je vais faire une coupure pour aller voir la cabane du départ, du tout début. Et on va voir ce que ça donne. Je coupe le trajet. Alors, je reprends l'enregistrement parce que sur la route là, juste là. Une carriole là, ben non, il n'y a rien. Bon, je suis à deux pas, hein. je suis à deux pas, mais j'ai raté le chemin pour y aller, donc j'ai fait demi-tour et j'ai vu ça. J'arrive pas à retrouver la route. Y aller à pied, hein. Je vais me remettre ici. Hop.
Parce que je... Ah, c'est pas vrai. Et la voiture quand je suis ici, elle avance tout de suite vers le... J'ai l'impression que le script dirige la voiture un petit peu. Là-haut. J'ai pas été voir là-haut. En fait je pouvais venir en voiture. Je refais le tour ici voir si j'ai pas raté quelque chose. Hop. Et bah non, c'est juste une trappe pour laisser passer la cheminée. Il y a un panneau. Ok, donc non, donc je n'ai rien laissé passer ici, j'ai absolument tout, c'est juste l'endroit du tutoriel. Bon, donc on se retrouve chez le mécano fou dont j'ai oublié le nom, je me souviens plus. Et on verra bien si j'arrive à atteindre la fameuse étoile. Ce objectif, c'est d'atteindre la fameuse petite étoile là qu'on a. Parce que je me dis, y aller par la droite, c'est plus long. Et je vais certainement pas y arriver. Ça doit être calculé pour que je meure de froid avant. Mais depuis la cabane, ça a l'air plus court. Depuis la cabane du mécano là. Donc je me dis que j'ai peut-être à y aller avec la cabane du mécano. Mais d'après moi, il me faut le jet ski. Donc, on se retrouve là-bas. Bon, on se retrouve. Donc, l'idée, ce serait de partir, donc, je ne sais pas de bêtises. Non, pas par là, à l'opposé. Donc, par là. Carl n'avait pas honoré sa réputation de fouilleur. Les richesses des terres de la Motte lui échappaient complètement. Alors là, j'ai un problème. Alors, je vais essayer. Steak ne suffit pas à une famille. Et l'appétit vient de manger. Ok, donc c'était bel et bien. Le sang et la forme du trou ne laissaient aucune place au doute. On avait enterré quelqu'un à cet endroit. Quelqu'un arraché violemment à la vie. Où se trouvait maintenant le cadavre? Pourquoi avait-il été enterré ici, puis déterré ensuite? Carl marchait en plein brouillard. Ok, j'ai le sel. Oui, gardez la photo, oui.
Je l'ai. Je l'ai la barre à clous. Qu'est-ce qui m'emmerde? Fait que je l'ai en main. Ok. J'aurais peut-être dû prendre un autre steak quand même. Bon, ça va. Ah, à droite ou à gauche. Projet secret. Antenne, idéale pour communiquer avec les petits hommes verts, était plutôt agaçante comme ça au milieu de la route. Il devait exister derrière un levier pour lui permettre de laisser le chemin libre. Mais comment donc l'atteindre, se demandait Carl. C'est simple, il y a un chemin à gauche, à droite. Ces bornes formaient ensemble un circuit électrique. Mais pourquoi? C'est un code? Il y a un code. Voilà où se cachait la clé de la génératrice. Il restait juste à l'atteindre. Ok. Donc le plus doit être vers le... vers le bleu. Vers ce bleu-là. Carl se demandait s'il devait endurer encore longtemps le froid qui lui piquait la peau. Ok. Faut que j'aille me réchauffer. J'ai vu qu'il y avait... il y avait un truc pour se chauffer sur la carte. Donc il faut que je me réchauffe là-bas. Feu exige de bons outils. Merde. Merde, j'ai pas de bûche. J'ai pas de bûche. Oh le sel, je vais canner comme ça. Oh l'idiot. Ah oh, je vais mourir d'une façon idiote. J'ai pas une bûche quelque part qui peut traîner. Oh, oh j'ai le sel. Bon, mais... je sais comment je peux... voilà, il y a juste un casse-tête. Je vais survivre. Je vais survivre, j'y crois pas. Ouais c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, ça le fait, ça le fait, ça le fait. Wouh. Bon. Ouais, pas trop mal.
Attendez, excusez-moi une minute. Attendez, juste une seconde. Je pourrais couper, remarque, mais j'en ai vraiment pour une seconde. Voilà. Excusez-moi. Ok. Parce que si on est parti. Alors, je prends une bûche. On est reparti. Remarque, je suis sûr qu'il y en avait sur le terrain, mais... Sa réputation de fou. Oh, tais-toi, c'est bon. Richesse des terres de la... T'inquiète pas, t'inquiète pas. Hop, une bûche. Mop lui échappait oui. Complètement. Et puis, j'ai dit également... un steak. Et on ira rechercher des steaks. Hein. Je sais que j'en ai laissé beaucoup dans les frigos. Ça aurait pu... ça peut m'aider. Contre un loup seul, ça peut m'aider. Bon, on va y arriver. Et à mon avis, la quatrième personne gelée. Parce que les pattes de loup n'apparaissent pas sur le... Bon. Est-ce que je me réchauffe ? Dès que le froid me tenaille un peu trop, il faut que je revienne ici, je le sais. Je peux pas courir en permanence, à chaque fois il s'épuise mon personnage. Bon. Ce qui est ennuyeux, c'est que je peux pas me réchauffer ici comme je veux. Alors, apparemment, il faut que le bleu ici... Alors, il monte... Et il est là, il est là, il vient là comme ça, et c'est celui-là. Donc celui-là, il faut que ce soit du positif. Ok. Le rouge qui vient ici. Il faut que ce soit du positif. Ensuite, le vert. Le vert. Bon. Je vais partir. Je vais partir de ce bleu là. Ce bleu là doit être négatif. Il part comme ça, il vient ici. Donc le positif part en jaune. Parce que c'est jeune là alors, non? Bah non. Compliqué cette histoire. Chaleur. Carl commençait justement à ne plus sentir ses mains. Ah! Oh, c'est bon ça! Bon. Un trousseau de clés.
C'est ça l'histoire. Ok. Réfléchis, Mathieu, réfléchis. Tout doit être... Enfin, ça doit être quand même d'une logique, enfin... Il doit quand même y avoir une logique à tout. C'est quoi ça? Ok. Oui, donc, ok, donc les quatre sont alimentés. Donc logiquement, il faut juste que lui... Il est négatif, c'est le cas. Et que lui, le bleu, c'est positif. C'est pas ça. Non, c'est lui, il faut que le bleu soit positif. Mais c'est le cas. Il faut que le négatif. Le rouge qui est là. Donc le jeune soit alimenté en positif. Sauf que c'est pas possible parce que le jeune n'est pas connecté. Si je passe par le vert. Non, je passe par le rouge. C'est pas possible. Oula, c'est compliqué cette histoire. Je sais pas du tout. Il y a une combinaison. Ou alors je dois la voir dans un document. Je vais mettre contre le radiateur pour ça. Je dois avoir un document. Sauf que ça fait comment ça commence à faire beaucoup de documents. J'avoue, je sèche. Il va y avoir une combinaison. Est-ce que j'ai pas un indice quelque part? Tout ce que j'ai, c'est les fils, sauf qu'il y en a qui sont pas raccordés. Il y en a qui sont raccordés. Alors, il faut certainement que j'arrive à faire circuler le courant. Excusez-moi.
dans le bon sens. Et c'est rien. Donc si je pars de là, et en plus cette musique m'énerve. Voilà, merci. Hein, je te remettrai plus tard. Mais là, cette musique est très agaçante. Alors, réfléchis. Quand je m'approche du point de chaleur, il sauvegarde ou pas? Non, évidemment, il ne sauvegarde pas. Si je lui demande le dernier point... Bon, écoutez, je réfléchis et je vais bien finir par trouver. A tout de suite. Bon, j'ai trouvé. Mais j'ai rien compris. Alors, je vous donne la solution si vous voulez le faire, parce que clairement, moi, j'en ai chié. Donc, le premier levier, donc je me mets face à cette porte-là. Hein. Clairement, j'ai entendu le buzz, hein, donc c'est bon. Donc, c'est cette position-là, hein, donc le plus vers la porte, c'est ça, le plus vers le vert, le moins vers le jaune. Ici, le moins vers le vert, le plus vers le bleu. Plus vers le rouge, moins vers le bleu. Et le dernier, c'est moins vers le rouge, plus vers le jaune. Voilà, j'ai rien compris. Sésame, ouvre-toi. La précieuse, enfin. Tant d'efforts pour un coup de métal. Et tu pour une clé? Bon, on va continuer un petit peu. Oui, évidemment, voilà. Rien dedans. Je peux pas prendre le vélo. Il est mercredi.